Yo les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je sais pas si vous avez entendu, sentez le vent un peu là, mais si ça fait un peu de bruit, si ça grésille un peu à cause du vent, je suis vraiment désolé. Bref, aujourd'hui les gars, petit vlog. Donc voilà, Carrefour. Alors aujourd'hui ça sera des courses, mini vlog courses, mais sans Kenny. Cette fois-ci je vais acheter des choses pour moi. Et il m'a donné envie d'acheter des choses, Kenny. Déjà il m'a donné envie d'acheter du poulet. De la chapelure en chips. Je vais acheter en chips parce que ça a vraiment bien donné. Et puis bah je pense que ce soir je vais me faire des tacos. J'aime trop. Et puis après je vais acheter plein de petites conneries, etc. Des choses aussi à cuisiner, parce que comme j'ai acheté une cuisine, c'est pas pour décorer. Donc on va acheter des petites choses justement pour se mijoter des petits plats ou la haja, tu vois. Et puis donc je vais vous faire partager tout ça. Je vais vous faire montrer ce que je vais choisir, et puis Bon, après les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Ah, t'as pris que ça, ah, tu prends que ça. Vous verrez bien, et puis voilà. On se retrouve dans quelques instants. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, les gars, ça fait énormément plaisir, c'est la récompense. Et en plus, ça bouffe pas de pain, et c'est gratuit. Allez, bon visionnage. Je dis pas, Homer, c'est des dinosaures. Homer, c'est des putains de dinosaures. Des triceratops. Ils sont en voie de disparition. Bon bah c'est parti, on va prendre plein de petites choses, la salade, enfin bref, on va faire plein de choses. Je vais vous faire partager tout ça et on va faire rayon par rayon. A de suite. Bon allez, let's go, on commence par la première partie, les frères. Donc on commence par des canettes, donc des canettes Coca-Cola Zéro, d'accord. On va attaquer justement ici par des Schweppes en canette. D'ailleurs vous avez pas remarqué, je prends même plus de bouteilles maintenant, c'est fini. Et encore une petite dernière. Plip. Ça j'aimerais bien. Et voilà. En ce qui concerne les boissons, on va arrêter là et on va se retrouver tout de suite dans un autre rayon. A tout de suite. Alors ici on est dans mon péché mignon, d'accord. Ça, les fruits secs, je kiffe ma race. Ça là, ça je kiffe ma race. Et je vais prendre deux paquets de chips Lay's au barbecue. Alors ça je vais m'en servir, pas pour manger, enfin si manger, mais comme chapelure. Ok. C'est ce qui va m'aider justement les mariner avec le poulet et puis voilà. Donc là j'ai pris ça. Et ensuite ce qu'on pourrait faire justement, c'est prendre des petites cacahuètes, des trucs comme ça. Et aussi un truc que j'aime bien, c'est là. C'est parfait. Au paprika, voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre les olives comme ça. Je kiffe ma race. Petites olives là, c'est quand tu accueilles quelqu'un, quand il y a des gens qui arrivent chez toi, voilà, tu leur mets des chips, des trucs, des olives. Avec une sorte comme ça, vous savez, comme sorte des petites pinces là, enfin pas comme une sorte de petits cure-dents là pour qu'ils puissent les prendre. Ça c'est vraiment sympa et puis ça sert toujours. Donc voilà, à de suite pour l'autre partie. Donc c'est parti. Donc en ce qui concerne la sauce, je vais me prendre ça, et en ce qui concerne l'huile, je sais même pas s'il y a de l'huile d'olive. Ah si, il y en a là, l'huile d'olive. Je sais même pas lequel prendre. Avec sa mère, je vais prendre ça. Voilà, je prends ça, et puis voilà, ça je vais m'en servir justement pour la cuisson, et puis voilà. On se retrouve dans un autre rayon, de cet écrit. Donc rayon un peu, disons un peu boîte de conserve. Donc, et le truc que j'aime bien, c'est ça, c'est les aubergines et les courgettes. Les deux là, comme ça. Je vais prendre même un de chaque. Ça, voilà. Je vais prendre la courgette, deux, et la ratatouille. C'est parfait ça, merde. Hop là. Et ensuite, on peut passer à autre chose. C'est cool. Ce que j'aime bien dans ce rayon, c'est les saumons déjà comme ça, déjà préparés, marinés. Aux zestes de citron et au pavot. Ça, sur une petite plancha avec des feuilles de salade. Bien, avec des petites crevettes, des petits fruits de mer. Ça passe super crème. Donc, je vais en prendre un comme ça. Et un comme ça. Un tchac. Après, en ce qui concerne le poulet. Là c'est ici, donc je vais m'en prendre filet de poulet, d'accord, je vais en prendre deux, c'est parfait, je vous ajoute juste la date, 9.08 et 9.08, parfait. Ça c'est parfait, ça c'est ça que je veux avec de la chapelure, la farine et des œufs, pom. Ça va faire comme des tenders, nickel, je suis trop content. Et là, on est aussi dans un bon rayon que j'aime bien, donc je vais prendre ça. Les croque-monsieur, parce que je vais faire des croque-monsieur à la maison, donc j'en prends un
c'est le même, je suis en 32, voilà, c'est parfait. Ensuite, ce que j'aime, c'est les mentales. J'aime bien les mentales. Ça, tu les découpes en petits dés, vraiment en petits dés. Et toi, tu les mets dans tes petites salades et puis voilà. On se retrouve dans quelques instants là, on va dans un autre rayon. Et puis voilà, à de suite. On se retrouve rayon salade. Donc c'est parfait. Donc je vais prendre de la mâche. Je kiffe la mâche. Donc je vais prendre deux sortes de salades. Donc je vais prendre de la mâche, d'accord. Je vais en prendre deux. Et je vais prendre aussi ce genre de salade. Pourquoi? Parce que tu vois, ça va donner un peu de couleur. Surtout moi qui mets salades, je les mets sur une plancha, enfin sur une planche en bois, vous avez vu. Donc ça donne un peu de couleur et ça va être... je trouve que ça va être cool. Donc voilà. On prend ça. Ensuite, des pommes de terre. Ceux-là. C'est parfait, ils sont déjà découpés en plus, c'est parfait, j'aurais juste un peu les découper en petits dés ou voilà, ça c'est parfait. Voilà, on va se retrouver maintenant au rayon pain de mie, vite fait. Allez. Et après en ce qui concerne les pains de mie, voilà, ça c'est parfait, jusqu'au 12,08, c'est parfait, hop ça, et puis bah je pense qu'on a fait le tour, mais après on va être dans un autre rayon, à de suite. Donc c'est parti, on se retrouve pour l'autre partie. Donc je vais prendre des yaourts. Donc là, je vais prendre des yaourts délices, enfin morceaux framboise. Je kiffe ce genre de yaourt. Et il y en a un autre que j'aime bien, je vais vous faire montrer tout de suite. C'est, je sais pas si... Ah, il est là-bas. Hop. C'est cela. Les Mamie Nova au citron. Je kiffe ma race. Donc je vais en prendre un. Aïe, non. Ah non, c'est de l'abricot au berk. Ah non, c'est de la pêche. Yes. La pêche, je kiffe ma race. Donc voilà, en ce qui concerne les trucs laitiers, voilà, ça fait 4, 5, 6, 8 yaourts, donc amplement suffisant. Ensuite, il y a un truc que j'aime bien aussi, pas pour les salades, les tomates cerises, très important, histoire de donner une petite décoration. Tu vas pas manger que des feuilles, n'est-ce pas, hein. Donc moi j'en prends toujours deux. Et même les tomates cerises, on peut se servir autre que les salades, hein. Tu sais, Zama, tu peux mettre avec, avec les dés de fromage. Bah tiens, parlons de dés de fromage. Ça, j'aime bien. Ça, dans tes salades, tu peux mettre. C'est vraiment cool. Dans les salades, tu peux mettre, ça, c'est cool. Ça aussi, j'aime bien. Donc, piment doux, ça, j'aime bien. Ah ouais, ça, c'est cool, ça. Je vais prendre ça. Ça, voilà, c'est... Tu vois, c'est pas forcément spécial pour, spécialement pour moi, mais... C'est voilà, c'est quand t'as des gens chez toi, voilà, tu peux les accueillir et leur proposer quelque chose, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc je trouve ça, enfin personnellement si je trouve ça que c'est. Enfin, l'accueil elle est comme. Enfin chez moi elle est importante. Donc voilà, après chacun son truc, enfin chacun ses trucs. Hein. Ensuite, ça c'est important. Je suis 14h08, c'est parfait. Donc j'en prends deux, c'est parfait. J'en ai pris deux, ouais, deux brûlés. Et et puis voilà. On va voir ce que j'ai besoin d'autre. On se retrouve dans quelques instants. Je commence à faire du blindage un peu. Hein. Pourtant, je suis tout seul. À de suite. Ah, ouais, les œufs. J'ai failli oublier. L'autre, il va tout utiliser, Kenny. Donc, je sais pas, je vais prendre. Tiens, je vais prendre. Je sais même pas quoi prendre. Là, je m'y connais que dalle, moi. Ouais, nique sa mère, je prends ça. Vraiment pur pif. Hein. J'ai pris ça. Une bonne poule là, on dirait la Darana Yanis. Putain, allez, à de suite. Bon, après, c'est pas forcément un rayon qui vous plaît, mais moi je suis toujours friand des bougies. J'aime trop les bougies, il faut absolument qu'il y en ait chez moi. S'il n'y a pas de bougies chez moi, je suis pas bien. J'ai besoin des bougies au salon, même aux chiottes. Hein. Moi je mets des bougies partout. Hein. Je mets vraiment des bougies partout. Attendez, ça va pas se faire. Il faut penser au salon. Tiens, j'en ai là encore. Ouah, c'est de la balle. Voilà. Et j'en ai encore là. Ça fait 4 bougies. C'est parfait, sa mère. Voilà, en plus, c'est des grosses bougies. C'est parfait. Bonjour. Hop. Et ensuite, là, c'est pour mon linge. Bien sûr. Non, c'est... je suis en train de faire une petite vidéo. Voilà. Oui, je suis en train de faire une petite vidéo, madame. C'est-à-dire ? Disons que... On appelle ça des vlogs. On appelle ça des vlogs et on les publie sur internet. Ah, oui. Voilà, madame. Moi j'ai internet, mais moi je sais pas m'en servir. Y'a pas de problème. Quand les enfants viennent. Ah voilà, quand c'est les enfants, ouais.
Mais je l'ai à la maison, je la paye, mais je m'en faisais pas mon service. C'est pas la même génération, quoi. Exactement, parce que rien que le haut-parleur, rien que le portable, j'ai du mal à... Ah. J'ai pourtant Internet dessus, mais j'ai du mal. Eh ben, je pense que vos enfants vous apprendront à vous en servir. Je sais même pas, ce que j'ai pas assez de patience. Oh, okay. Ça va trop vite, ça va trop vite, hein. Ouais. Ça a du vocabulaire que je connais pas. Il n'y a rien qui va, quoi. Allez, bonne journée, madame. Merci. Eh ouais, ça passe vite. Ça passe même trop vite, putain, elle a dit de sa propre bouche. Bon, allez. Ah ouais, les papiers toilettes, bien sûr. Hop. Voilà. Quoi d'autre? Bon, après, je pense que c'est tout. Déjà pas mal, là. Alors, pour les gens qui comprennent pas, tout à l'heure, pour la salade, les planchas, c'est ça, c'est des planches comme ça, encore plus fines. Ouais, c'est des petits... Bon, en gros, c'est cette taille-là. T'as vu? Donc sur le côté, je sais pas, par exemple, vous mettez de la viande, sur le côté là, vous mettez de la salade, après vous mettez vos tranches de saumon. On pourrait mettre sur une assiette, hein, mais je préfère comme ça, c'est plus typique paname, parisien. Voilà. En tant que, enfin, je tenais à vous en parler, comme ça, moi, pour les gens qui connaissent pas le hajj, on sait jamais. Voilà, moi je trouve que, moi, enfin, chacun ses goûts, ses couleurs, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'étais chez mes darons, je mangeais chez, ouais, voilà, je mangeais dans une assiette. Moi, ouais, maintenant, je préfère as. Après, voilà. Sur du temps, on évolue. Allez. Bon, ensuite, après, de ce côté-là, bah après, ici, je vais vraiment pas prendre grand-chose. Je vais prendre un paquet comme ça. Alors ça, les paquets comme ça, j'utilise parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question. Ouais, mais tu t'en sers pourquoi? Bah déjà, d'une, pour manger. Mais c'est vrai, c'est le genre de bonbon ou même les crocodiles. Je m'en sers surtout quand je joue beaucoup à la console. Quand je sais que je vais beaucoup jouer, j'ouvre mon petit paquet. Et voilà, je le mets devant moi et je joue. Je vois même pas le temps passer. Je mange, je grignote et puis voilà. Donc ça, c'est important pour moi, pour Code 4. Surtout maintenant avec le PC que j'ai. Et puis voilà, allez. Donc dernier rayon. Donc là on se retrouve dans le rayon là où il y a le thon, tout ça. Alors moi je vais me prendre du thon. Ça c'est si j'ai pas envie de poulet, je prendrai du thon. Le thon j'aime bien. Donc je vais en prendre 3, amplement suffisant. 3 et puis c'est parfait. Je pense qu'après, je pense que là qu'on est dans la perfection, on a tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Bon c'est parti en caisse. Après, en ce qui concerne les gels douches, et après on arrête. Donc là, c'est côté hygiène. Donc moi, les gels douches que je prends, c'est toujours ceux-là, le Ushuaïa. Je vous montre c'est lequel. Gel douche, massage délassante. Donc là, je prends toujours ceux-là. Ils sont vraiment super bons. Et après, en ce qui concerne comment on appelle ça, le shampoing, je prends toujours celui-là. J'en ai déjà un à la maison. C'est le Dope à la pomme. Franchement, tu mets ça sur tes cheveux. Pouah. Tes cheveux, ça sent la pomme d'amour. C'est un truc de ouf. Ouais les gars, écoutez, c'est la fin du vlog, des courses, etc. Donc j'ai acheté un peu de tout et de rien. Donc des choses un peu essentielles, quand même de la salade, etc. Et puis hop. Donc là, j'ai pris un taxi, direction la maison. On va arranger tout ça. Et puis voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous faire partager un peu tout ça. En gros, c'est un peu le quotidien. Un peu le quotidien, c'est-à-dire une fois, deux fois par semaine, on fait les courses, etc. On achète dans ce qu'on a besoin. Et puis j'avais vraiment envie de vous le faire partager, histoire que vous savourez un peu ce moment. Après, je sais qu'on n'est pas aussi différent que ça. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Ah putain, moi aussi, si j'aurais un appartement, etc. tout seul, j'aurais acheté que des conneries, que des canettes, que des bonbons, que des chips, histoire de grignoter pendant que je joue, nanana. » Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce délire-là, parce que moi-même j'ai été, et je le suis encore. Et puis écoutez les restes à la fin de la vidéo, on se retrouve très prochainement, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, c'est Mer. N'oubliez pas le petit pouce bleu.